Podcast film A Christmas Prince. Présentation du film. Le réalisateur est Alex Zahn. Les scénaristes sont Karen Schaller et Nathan Atkins. Le titre original est A Christmas Prince. Les acteurs principaux sont Rose McLeaver dans le rôle d'Amber, Ben Lamb dans le rôle du prince Richard, Honor Kniffsey dans le rôle de la princesse Emily, la sœur de Richard, Théo Devaney dans le rôle de Lord Simon, cousin de Richard et Emily, et Emma-Louise Saunders, dans le rôle de Sophia. La durée du film est de 1h32. Il est sorti le 18 novembre 2017. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille à un public plutôt féminin. Le résumé. Pour cette jeune femme qui rêve de devenir journaliste, c'est Noël avant l'heure quand on l'envoie à l'étranger décrocher un scoop sur un futur roi bien charmant. Je vais y arriver aujourd'hui. Qu'ai-je pensé de ce film ? Ce film était vraiment pas mal, même si la fin était attendue. Amber est une jeune journaliste qui doit, pour son premier grand reportage, se rendre en Aldovie pour parler de la vie du prince héritier. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Les acteurs jouent bien, surtout celle qui incarne la princesse Emily, qui est atteinte de la maladie de spina bifida et se déplace en fauteuil roulant. C'est une jeune fille pleine d'humour et de répartie. Amber n'est pas très sûre d'elle au départ, mais va prendre au fur et à mesure de l'assurance. Richard est supposé prendre la place de son père sur le trône du fait de la mort de ce dernier un an plus tôt, mais il ne se trouve pas à la hauteur. Lord Simon et Sophia sont les méchants de l'intrigue et font tout pour semer la discorde. L'ambiance de Noël est bien présente, ainsi que la romance qui est simple mais efficace. La fin est très belle et donne envie de connaître la suite, car oui, il y a un 2. Je précise quand même que le film n'est disponible que sur Netflix. En bref, je vous le recommande. J'ai aimé tout, je n'ai pas aimé rien du tout. C'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !